sonnerie de la tablette mission. C'est peut-être un appel à l'aide. Oh, je vois. Ryder! Tu n'es pas Ryder? Eh non, je garde la patte patrouille, Madame Goodway. Pas de panique, la patte patrouille va venir vous aider. Tout le monde à la tour de contrôle. Dans ces cas-là, Ryder dit... Patte patrouille, rassemblement! Entendu. Patte patrouille, rassemblement! Ryder a besoin de nous! Ou plutôt, Cathy! Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef! Et paré à l'action, Cathy! Chef, Cathy! Merci, les amis. Que fait Ryder habituellement? Il donne le nom des chiens qui vont intervenir et il leur confie une mission. C'est noté. Pour le sauvetage de Monsieur le Facteur, j'aurai besoin de Marcus. Tu utiliseras l'échelle de ton camion de pompier pour l'aider à descendre de la branche. Je suis tout feu tout flamme. Et de toi, Stella. Tu monteras à bord de ton hélicoptère et tu aideras Madame Goodway et Galinetta à regagner la terre ferme. Ouf! Prête pour un petit tour dans les airs. L'heure est venue de passer à l'action. Tu voulais pas dire la patte patrouille part en mission? Oui, exact. Ne vous en faites pas, Monsieur le Facteur. Marcus est là pour vous aider. Tout à fait. Échelle. C'est l'heure de descendre de votre branche, Monsieur le Facteur. Je vais vous faire descendre en un éclair de seconde, Madame Goodway. Harnais. Je le tiens. Merci infiniment, Stella. Vous avez tous été adorables. Alors, tout s'est bien passé? Cathy a vraiment été incroyable, Ryder. Ça ne m'étonne pas du tout. Pas de patrouille au complet, paré à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Monsieur Porter a reçu une cliente pas comme les autres ce matin. Elle a dû confondre la tarte avec son nounou. Nous devons donc aider Maman Ours à rentrer chez elle. Hé, il ressemble au petit chat de Monsieur Ellinger. Je crois qu'il veut que tu le suives. Mais où est Monsieur Ellinger? Il a peut-être besoin de nous. Rocky, viens avec moi. Oh non! Bon, d'accord. Mais vas-y doucement! Monsieur Ellinger! Restez calme et ne vous enfuyez pas, sinon l'ourson... Va me courir après! Je sais, j'ai déjà essayé! Stella, on a besoin de toi! Prête pour un petit tour dans les airs! C'est bon, j'arrive! Ça va être bon! Encore un tout petit tour et lâchez! Bouclé! T'es prêt, Rocky? La tarte, on en a besoin. Est-ce que tu sais comment la faire voler? Je savais que ce ballon allait me servir. Regardez, les amis! Laissez-vous guider par l'odeur! Une délicieuse tarte qui vole. Mission retour à la maison. Vous m'avez sauvé la vie, merci. Pas de problème, Monsieur Ellinger. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu aussi vite. Monsieur Ellinger est venu avec son camion poubelle un peu spécial, le camion Poubellinger. Une mouette est entrée à l'intérieur et a déréglé tout le programme. Maintenant, le camion sème des déchets dans toute la ville. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs. Et aussi de Rocky. Recycler, c'est bien joué. Parfait, la patte patrouille part en mission. Je n'en reviens pas. Le camion a semé des cubes jusqu'ici. On va les ramasser grâce à ceci. Quel camion impressionnant! Regarde un peu ça. Ça, on peut dire que c'est du surcyclage. C'était usagé et on l'a transformé. Ryder, j'ai trouvé le camion Poubellinger. Où est-il? À la sortie de la ville, il se dirige vers un pont basculant et il est en train de s'ouvrir. Les deux côtés du pont sont levés. Mais comment on va accéder au camion? Tous ces tubes de déchets nous bloquent le passage. Fonction surcyclage.
recyclage à la rescousse. J'ai compris ce que tu fais et c'est très malin. Et voilà, on a fini. Je vais attraper ce camion. Je te tiens. Wouhou! Bravo, tu t'es surpassé, Rocky. Oh, merci de nous avoir sauvé la mise, chère Pat Patrouille. Avec plaisir. Si vous êtes envahi par les déchets du camion Poubellinger, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet, prête à l'action, chef. Un chien policier. Comme vous le savez, les petits chats du roi devaient venir à la Grande Vallée. Bah oui, mais pourquoi ils viennent plus? Ils ont disparu. Ce qui veut dire que nous allons participer activement à ces recherches. Chase, en charge de l'ordre public, c'est toi qui prendras en main les opérations. Compris, chef. Chase est sur le coup pour ce super sauvetage. Je vous demande d'accueillir chaleureusement les nouveaux membres des chatons qui sèment la pagaille. Mais pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Allez, on se réveille, vous ferez la sieste après. Et vous deux, là, au travail. Veuillez arrêter la machine, Monsieur Ellinger. Poussez-vous, je n'ai pas besoin de vous. Il refuse d'obtempérer. Je crois que j'ai une idée. Rocky, Stella, j'aimerais que vous atteigniez au plus vite le bas de la prochaine pente. Stella, tu lanceras le tapis à clous depuis ton hélico. Rocky, tu le mettras en travers de la route. C'est parti! La loco arrive! Cette statue noire. Où sont nos invités? Elisabeth, Henri. Bienvenue à la Grande Vallée. Merci encore, la Pat Patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Si vous avez besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet, parée à l'action, chef. Merci d'être arrivé si vite. Car le temps presse, nous devons nous dépêcher. Le vaisseau spatial du capitaine Gordy va à la dérive. Nous devons aider le capitaine Gordy à atterrir en toute sécurité en fabriquant une plateforme d'atterrissage, et vite. Il s'agit donc d'une mission de construction et de sauvetage extrême. Entendu, tu peux compter sur nous. J'ai besoin d'un expert en construction pour mener l'équipe. Ruben, tu utiliseras ton super engin de chantier. La Pat Patrouille part en mission. Gordy devrait atterrir là, mais notre plateforme est trop grande. Il n'y a pas assez de place. Oh, si on manque de largeur, on prend de la hauteur. Que veux-tu qu'on construise, Ruben? Faites-moi confiance et suivez mes instructions. Tout d'abord, nous allons démonter notre plateforme. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Zuma, creuse des trous juste ici. Ryder et Chase, insérez les piliers dans les trous. Oh, je vois le vaisseau de Gordy. Le temps presse, faisons vite. Le capitaine Gordy compte sur nous. Ruben, tu as construit la meilleure piste d'atterrissage. Un toboggan en spirale. Le capitaine Gordy arrive. Gordy va bien? Il vient d'atterrir, il est sain et sauf. Merci, Ryder. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est Ruben que vous devez remercier. Pat Patrouille des mers au complet et paré à l'action, commandant. L'épave du sloop a été enlevée par Sid Laratis. Alors, il faut qu'on rattrape ce sloop et qu'on le ramène à sa place. Ah, pourquoi ça avance aussi lentement? Qu'est-ce qui se passe? Ryder,
Nous suivons toujours le sloop. Mais les choses prennent un tour étrange. C'est un peu comme s'il était en train de faire marche arrière. C'est une limace de mer géante qui nage à contre-courant. Il utilisait le sloop à la manière d'un escargot qui s'abrite sous sa coquille. Cette épave, c'est son refuge. Sid, ici Ryder, il faut que tu abandonnes l'épave. Ah, un pirate n'abandonne jamais rien. Je l'ai trouvé, il est à moi. Ok, Rocky, on va devoir couper le câble. Prépare ton chalumeau. Je suis sur place, j'attends ton signal. Chase, la limace de mer devra rester tranquille pendant qu'on coupe le câble. Il y a un seau avec du calamar séché sur ton bateau. Ça l'occupera. C'est bon, je l'ai trouvé. Approche encore, Rocky. Maintenant! La limace s'est calmée. Maintenant! Chase, tu peux descendre le treuil. Rocky, fixe le treuil au mât du sloop. Treuil fixé! Tu peux tirer, Chase! Montrons-lui où le sloop se trouvait. La limace sera heureuse de retrouver son univers. C'est juste ici. Ryder, merci encore d'avoir sauvé ce lieu merveilleux et notre monstre marin. Tout le plaisir est pour nous. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas pour nous appeler. La nuit commence à tomber. Il faut que j'allume le phare. Je me demande ce qu'on peut faire d'autre. Quel jeu de lumière de l'extrême! Je vais essayer de braquer la lumière sur elle comme un projecteur. Ouais! Maintenant, je vais laisser la lumière allumée en intensité maximum et l'éclairage sera parfait pour... la cascade retransmise en direct la plus impressionnante qu'on ait jamais vue! Le bateau arrive et il ne pourra pas voir l'île. Oh non! La porte s'est refermée, j'ai laissé les clés à l'intérieur. Il faut que j'appelle la patte patrouille. La porte s'est refermée derrière moi. Chase, serre-toi de tes semelles ventouses pour escalader le phare et entre par la fenêtre ouverte. Semelles ventouses! Je pourrais faire des cascades de haute voltige avec ces chaussures. Zuma, comment ça va? Il fait très sombre en mer, on ne voit rien. Je crois que le capitaine du cargo ne peut ni me voir ni m'entendre. Ne t'approche pas trop, il faut pas que le bateau te rentre dedans. Je vais garder mes distances et essayer d'alerter le capitaine. Je suis dans le phare, je descends tout de suite. Ah, l'ampoule a grillé, on va devoir la remplacer. C'est comme si c'était fait, je reviens. Il faut faire vite! Le cargo va percuter la côte! Ryder, le bateau a viré de bord! Wow, trop cool! Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef! Un drôle de requin mécanique a avalé Monsieur Porter! Et il fonce à toute allure! Alors pour cette mission, j'ai besoin de Chase. Chase est sur le coup. Et de toi, Rocky. Recycler, c'est mon domaine. Super, la patte patrouille part en mission. Monsieur Porter, est-ce que tout va bien? Danny le Hardy et moi, on est un peu à l'étroit. C'est Danny Hicks le Hardy, on est avec un bébé castor aussi. Pas de panique, nous allons vous sortir de là. Chase, droit devant, tu as de la place. Parfait! Wouf! Filet! Oh non! Mademoiselle Marjorie! Un petit creux. Ryder, comment faire pour arrêter ce requin métallique? J'ai une idée! Stella, viens avec l'électroaimant de Ruben et prépare-toi pour de la pêche de haute voltige! Prête pour un petit tour dans les airs! Oh non! Il va tomber dans la baie! Oh oh, elle a réussi! Hourra! Il s'est enfin arrêté, les amis! Non! Oh,
Rocky, il nous faut quelque chose de moelleux et de rebondissant. Vite! Entendu! Je pense que j'ai ça en réserve. Allez-y, vous pouvez lâcher, mais un par un! Si jamais vous êtes coincé dans un requin terrestre, il suffit de nous appeler! Faites-moi un plus grand chapeau! Ça doit être le plus grand et magnifique chapeau qui existe! Monsieur Hellinger, arrêtez ce cirque immédiatement! Si vous avez la statue de votre poule, je peux bien avoir une statue monumentalinger du plus grand maire du monde! Moi! J'appelle Ryder. Vous devez arrêter vos travaux, Monsieur Hellinger! La falaise pourrait s'effondrer en un rien de temps! C'est ridicule! Attendez une minute. Pourquoi mes oreilles ont-elles été sculptées comme celles d'un félin? J'ai compris. Je vais aller les rectifier moi-même. On ne peut demander à des chats de faire le travail d'un air. Ryder, tu sais quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. J'appelle du renfort. Marcus, Chase, Zuma, Rocky, j'ai besoin de vous. Maintenant, ses oreilles sont aussi parfaites que les miennes. Voilà. Non, 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 non! Oh non de nom! Il se dirige droit vers la grande vallée! Stella, je vais essayer d'envoyer cette pierre au fond de la baie. Trouve-moi un chemin jusqu'au port. L'avenue du littoral est dégagée. Accrochez-vous, je vous ramène près du rivage. Tout ce travail, et ce sont les poissons qui vont en profiter. Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef. Maurice est sorti de l'eau et maintenant, il se balade en ville. Pourquoi est-ce qu'il est sorti de l'eau? À nous de le découvrir. Pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Tu chercheras Maurice à bord de ton hélicoptère. Et ensuite, tu garderas un œil sur lui jusqu'à ce qu'on le ramène au port. Prête pour un petit tour dans les airs. Super! La patte patrouille part en mission. Vous avez trouvé Maurice? Non, je ne pensais pas qu'un morse pouvait se cacher aussi facilement. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est coincé dans une bouche d'égout juste en face de l'hôtel de ville. On arrive tout de suite. Alors Marcus, qu'est-ce qu'il dit? Son meilleur ami lui manque beaucoup. Il refuse de retourner au port sans le capitaine Turbo. Merci beaucoup. Stella, Marcus, Rocky, partons à la recherche du capitaine. Chase, reste là et mets en place un périmètre de sécurité. Compte sur moi. Ouf. Cone. Oh, trouvé, Ryder. Le capitaine Turbo est sur une corniche. D'accord, bien joué. Maintenant, attrape-le avec ton harnais et ramène-le à l'hôtel de ville. Entendu. Ruff, harnais. Coucou, Maurice. Sors de là pour qu'on puisse retourner au port tous les deux. Ça a marché. Stella, tu n'as plus qu'à le guider vers le port maintenant. Par ici, mon grand. Ryder, la patte patrouille, merci de nous avoir permis à Maurice et à moi d'être enfin réunis. Oh, y a pas de quoi, capitaine. Si votre morse n'en fait qu'à sa tête, il suffit de nous appeler. Cette mission est assez insolite. On ne sait pas comment, mais les singes ont réussi à construire une cage et enfermer Carlos à l'intérieur. Au secours! Ça alors? Bizarre, comment les singes ont-ils pu construire une cage? Selon Tracker, ils ont dû trouver ces outils colorés dans la jungle. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Recycler, c'est bien joué! Et de Chase. Chase est sur le coup! Parfait! La patte patrouille part en mission! Reviens! Tu n'as pas besoin d'une clé à molette! Et toi, donne-moi ça! La
pas de patrouille. Je suis soulagée que vous soyez là. Content de pouvoir t'aider, Carlos. On va te faire sortir de là en un rien de temps. Rocky, commence à démonter la cage. Je m'en charge. Ouh. Tournevis. Merci, Rocky. Et à toi aussi. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Ryder, Carlos, vous avez vu Mandy? Non, pourquoi? Voilà pourquoi. Oh oh, c'est une roue du pas de patrouilleur. On doit récupérer ses outils avant que les singes ne causent d'autres dégâts. Mégaphone. Distribution de bananes. Venez vous régaler. Beau travail d'équipe. Merci, vous êtes vraiment des gentils chiens. Merci à toi, Ryder. Et merci à vous. Vous avez empêché ces petits singes de faire trop de bêtises. Si les singes sèment la zizanie dans toute la jungle, il suffit de nous appeler. Pas de patrouille au complet et pari à l'action, chef. Merci pour votre rapidité. Le traîneau de Madame Goodway et Monsieur Ellinger est tombé dans une crevasse. Ils sont coincés dans la glace. Oh là là! Les pauvres! Et maintenant, des loups veulent les hamburgers de Monsieur Ellinger. Ah! Parfait! La patte patrouille part en mission! Jayce, à toi de faire partir ces loups! Lance-balle de tennis! Maintenant, vole jusqu'à l'intérieur de la crevasse et fais sortir nos amis un par un! Commençons l'évacuation! Je vais vous aider à sortir de là! Moi d'abord! Everest, suis les deux mères. Ryder, ils ont atterri près de l'eau et le choc a été plutôt violent. Il faut absolument qu'on parte de ce... Je viens à ton secours, Galinetta. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à regagner le bord. Le vent nous pousse vers le large. Zuma, les deux mères sont coincées sur un morceau de glace. Aide-les à regagner le bord. D'accord, chef, je vais assurer. Zuma, qu'est-ce que tu fais? Je vous emmène faire une petite balade. Everest, tu peux attraper le morceau de glace? Oui. Ouf. Grappin. Dépêchez-vous, mes doigts de pied sont gelés. Merci, la patte patrouille. Vous nous avez sauvés. De rien, Madame Goodway. Si vous êtes coincée sur un morceau de glace, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et parée à l'action, chef. Alex et Monsieur Porter se sont perdus dans un labyrinthe quelque part dans la jungle. Allez! Heureusement, Alex a dessiné un plan pour y aller et Mandy nous a apporté la carte. Tracker! Tu vas te servir de ton 4x4 et de ta Super Wii pour les retrouver. Chase! Ton drone va survoler la jungle pour chercher au milieu des feuillages. Parfait! La patte patrouille part en mission! Je crois que l'éléphant entend quelque chose. Oh, des moteurs! C'est la patte patrouille! Oh, allez! Il faut faire du bruit. Le bébé éléphant peut peut-être nous aider? Chaîne. Écoutez, c'est vraiment curieux. J'entends un bébé éléphant, mais aussi deux autres voix. On dirait qu'elles font semblant d'être des bébés éléphants. Il faut qu'on aille vérifier. Génial! On a trouvé le labyrinthe. Tu crois que la patte patrouille a entendu nos barrissements? Oui, j'entends Alex. Bonne nouvelle! Essayons de les retrouver. Regarde, papy, c'est le drone de Chase. On est sauvés! On est sauvés! Je les vois! Chase, Ryder, Tracker! On est là! Tracker, tu peux sortir Alex de là? Filin d'acier! Wouhou! Oh non, regardez! Le bébé éléphant est toujours coincé sous les murs! Ruben, fais venir ton tractopelle jusqu'au labyrinthe! Ruben, mais toujours la corde! Soulever quelque chose de lourd?
Merci pour votre rapidité. Un papa éléphant et son bébé ont eu peur d'un bruit qui a résonné très fort dans la jungle. On doit se dépêcher de sortir le bébé des sables mouvants avant qu'il ne s'enfonce encore plus. Alors pour cette mission, on a besoin de Ruben. Ruben met toujours la gomme. Et de Rocky. Recycler, c'est bien joué. Et de Chase. Chase est sur le coup. Parfait, la bonne patrouille part en mission. Ne t'inquiète pas, mon grand. La patte patrouille va bientôt arriver. Construction du pont imminente. Oh, ces sables mouvants sont profonds. Ce tronc pourrait convenir. Excellente idée, Rocky. Si ça ne marche pas avec des rochers, faisons un pont en bois. Treuil. Enroule le treuil, Chase. Treuil en roulement. Oh, oh, c'est un gros bébé. Il faut que le véhicule reste au sol. Merci, papa éléphant. Ruben, mets ce tronc sous le bébé éléphant. Je vais le détacher. Restez bien sur le tronc. Bon travail, les amis. Il n'y a pas de quoi, papa éléphant. Surtout, n'oublie pas, si jamais tu entends un bruit qui fait peur, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. La camionnette d'Helga Ellinger a disparu. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. Et de Stella. Prête pour un petit tour dans les airs. Super, la patte patrouille part en mission. J'ai trouvé la camionnette. Je ne crois pas mes yeux, Ryder. Il y a une immense statue en gélatine de Monsieur Ellinger juste à côté. Hein? On arrive tout de suite. Monsieur Ellinger, descendez! Oh, je n'arrive pas à y croire. Mon chou à la crème. Stella, aide Monsieur Ellinger à descendre avec ton hélicoptère. Armée. Bien joué. Recule maintenant. La statue va bientôt heurter les poteaux de rugby. Il faut qu'on fasse descendre le maire au plus vite. Ryder, j'ai pris ça avec moi. Ça peut nous être utile. Le bateau gonflable de Zuma. Suis-moi. Tu es prêt, Marcus? J'ai besoin que tu vises le bateau et que nos amis les mouettes nous donnent un coup de main. Ryder, je te remercie du fond du cœur d'avoir sauvé mon grand Miaminger. Je vous en prie, Madame Ellinger. Si jamais votre fiston est en danger, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et prête à l'action, chef. Merci pour votre rapidité, les amis. Hops, le kangourou de Monsieur et Madame Wingnut bondit dans la ville. Et sans le faire exprès, elle a envoyé Alex tout en haut de la grande roue. C'est un bond énorme. Et maintenant, Hops a disparu. Marcus, tu vas aider Alex à descendre de la roue avec ton échelle. Et de Chase, tu vas mener l'enquête et pister le kangourou de Monsieur Wingnut. La patte patrouille part en mission. Marcus, tu sais ce que tu dois faire. Chase, tu peux partir à la recherche du kangourou. Dépêche-toi, Marcus, mon pantalon va... J'arrive. Tout va bien? Oui, oui, merci, Marcus. Elle est là. Mégaphone. Hops, viens voir. Il est temps de rentrer. Tiens, on dirait qu'elle cherche quelque chose. Galinetta. Si Galinetta est ici, ça veut dire que Joey est avec Madame le maire dans les gorges grandioses. Madame le maire. La situation est catastrophique. Stella.
Stella, Rocky, venez aux gorges grandioses. On n'a rien reçu. Alors. Stella, envoie leur ton crochet. Ça y est. Oh. Ouf. Oh. Filet. Oh. Oh non. Et pas tant. Joli travail d'équipe. Retrouve les... Monsieur Ellinger a heurté un iceberg avec le bateau. On va devoir le réparer avant qu'il ne coule pour que Madame Goodway et les autres passagers puissent rentrer chez eux. Au secours! Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est bien joué. D'Everest. Neige ou verglas, je suis toujours là. Parfait. La patte patrouille part en mission. Allez, Everest, ramenons ce bateau. Allez, c'est parti, Everest. Tu vas pouvoir relier le patrouilleur au bateau. Bien visé, Everest. Maintenant, on tire le bateau. À toi, chien robot. On va remettre ce bateau en état et bientôt il sera tout réparé. Parfait. Et Monsieur Ellinger pourra ramener tout le monde dans la Grande Vallée. Attendez, mais où est donc passé Monsieur Ellinger? Eh bien, justement... Une grotte. Je parie que c'est là qu'est caché le trésor perdu. Monsieur Ellinger, arrêtez! Faites attention, vous allez provoquer une avalanche! Ah, oh, quel dommage, j'y étais presque, le trésor était à portée de main. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Vous pouvez reprendre votre croisière. Ryder, merci de ne pas nous avoir laissés dans le froid. Ah, il n'y a pas de quoi. Si jamais vous avez des ennuis, il suffit de nous appeler. Je suis un épouvantail. Tous à bord. Super costume, joli. Génial, ton costume. Merci, je veux dire. Oui, c'est un super costume. Des bonbons et une farce. Oh. Grand-père, il faut appeler la patte patrouille. Ryder, tous les bonbons. On s'en charge. Aucune araignée n'est trop grosse car mes amis, ils assurent. Arrête-toi, qui que tu sois, à l'intérieur de ce vilain costume d'araignée. Partons d'ici et vite. Filet. On est coincé. Ruben, dépêche-toi de venir avec ta grue. Tu vas devoir libérer une araignée géante prise dans un filet de guimauve. Wow, heureusement que c'est pas une vraie araignée, car elle serait vraiment terrifiante. Ah, un bonbon maïs. Il me le vend. Oh, oh. Mes friandises. Non. Merci, Ryder. Toi et tes amis, vous avez transpiré jusqu'aux os pour sauver notre fête d'Halloween. Y a pas de quoi. À la prochaine panne de friandises, faites une farce pour nous appeler. On est très content que tu sois rentré, Ryder. Oui, mais c'est quoi la surprise? Rex? Bonjour tout le monde, moi c'est Rex. Bonjour Rex. Ravi de te rencontrer. Bienvenue à la Grande Vallée. J'ai jamais rencontré de chien aussi gentil. Mais c'est normal puisque j'ai jamais rencontré d'autres chiens. Quoi? Tu n'as jamais rencontré de chien avant? Non, parce que là d'où je viens, je suis le seul et unique chien. Et tu viens d'où?
Ça, c'est la deuxième partie de ma surprise. On va prendre le pas de patrouilleur? Non, regardez. Allez les amis, tous à bord. C'est très beau ici. Oui, c'est magnifique. Wow, c'est quoi? Des dinosaures. Incroyable. Crois pas mes yeux. Bienvenue à la réserve des dinos. Ça, ce sont des tricératops. Et ça, des vélociraptors. Moi, je les adore. Oh, voilà des ptérodactyles. On dirait des oiseaux, mais vous savez que ce sont des dinosaures volants? Non, mais maintenant je le sais. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Et voilà, c'est ici que j'habite. Oh, wow, c'est génial. Moi, je vis ici avec Taylor et le docteur Turbo. C'est la meilleure vétérinaire pour dinosaures du monde. Je n'ai jamais vu un endroit aussi extraordinaire. Oui, dites, est-ce qu'on peut visiter la réserve dans le dino patrouilleur? Hey, j'adore le nom que tu as trouvé. C'est parti, tous au dino patrouilleur. À mon tour, à mon tour. La sonnerie de la tablette mission, c'est peut-être un appel à l'aide. Oh, je vois. Ryder! Tu n'es pas Ryder? Eh non, je garde la patte patrouille, Madame Goodway. Pas de panique, la patte patrouille va venir vous aider. Tout le monde à la tour de contrôle. Dans ces cas-là, Ryder dit... Patte patrouille, rassemblement! Entendu. Patte patrouille, rassemblement! Ryder a besoin de nous! Ou plutôt, Cathy! Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef! Et paré à l'action, Cathy! Chef, Cathy! Merci, les amis. Que fait Ryder habituellement? Il donne le nom des chiens qui vont intervenir et il leur confie une mission. C'est noté. Pour le sauvetage de Monsieur le Facteur, j'aurai besoin de Marcus. Tu utiliseras l'échelle de ton camion de pompier pour l'aider à descendre de la branche. Je suis tout feu tout flamme. Et de toi, Stella. Tu monteras à bord de ton hélicoptère et tu aideras Madame Goodway et Galinetta à regagner la terre ferme. Ouf! Prête pour un petit tour dans les airs. L'heure est venue de passer à l'action. Tu voulais pas dire la patte patrouille part en mission? Oui, exact. Ne vous en faites pas, monsieur le facteur. Marcus est là pour vous aider. Tout à fait. Échelle. C'est l'heure de descendre de votre branche, monsieur le facteur. Je vais vous faire descendre en un éclair de seconde, Madame Goodway. Harnais. Je le tiens. Merci infiniment, Stella. Vous avez tous été adorables. Alors, tout s'est bien passé? Cathy a vraiment été incroyable, Ryder. Ça ne m'étonne pas du tout. Patte patrouille au complet et paré à l'action, chef. Quelque chose de très étrange est en train de se produire à la fête de Madame Goodway. Ses invités semblent flotter dans des bulles. Nous devons à tout prix les aider à regagner la terre ferme. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. J'ai aussi besoin de Marcus. Je suis tout feu tout flamme. Super, la patte patrouille part en mission. Oh regarde, c'est notre ami l'éteur. Bonsoir, Madame Goodway. Ryder, heureusement que tu es venue. Tous mes invités sont en train de s'envoler. Je ne peux pas leur servir à boire. Je vais aider Alex. Échelle. Canon à eau. Regardez, c'est la bulle de Cathy et Cali. Oui, je m'en occupe. Tyrolienne. Tenez bon, les amis, j'arrive tout de suite. Non, attends, stop. Tu te souviens de nous? On est tes amis.
Tu n'as rien à craindre. Tu ne nous reconnais pas parce qu'on porte des accessoires pour la soirée fluo. Super soirée, Madame Goodway. Merci à vous, la Pâte Patrouille, d'avoir sauvé ma fête, ainsi que mes invités fluorescents. À votre service. Et si jamais vos invités s'envolent, il suffit de nous appeler. À l'abordage du Pâte Patrouilleur des mers. Oui. Vite aux commandes et prenons la poudre d'escampette. Enfin, dès que j'aurai trouvé le bouton pour démarrer. Ah, ce voyageur robotisé doit rester enfermé dans les cannes. Rar. Le passager embarqué en cachette est enfermé dans la cage secrète. À ton avis, lequel de ces boutons? Nom d'une chambre de bois. Nous avons levé l'ancre. As-tu retrouvé la trace de notre bateau? Non, pas encore, Ryder. Et en plus, j'ai perdu Marcus en cours de route. Mince alors. J'essaie de le contacter. Marcus, tu m'entends? Ici Ryder, où es-tu? Tu es là? Aucune réponse. À mon avis, il n'a pas son badge. Non, c'est le butin parfait pour inaugurer mon très beau coffre au trésor. Tu es là? Ouais. Voilà le plan. Tu te caches derrière ce tonneau et moi j'éloigne Sid de la cabine de pilotage. Reprends le contrôle du bateau dès que la voie sera libre. Le Dalmatien? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Canot à eau. J'ai un souci avec mes canots à eau. Impossible de les éteindre. Ah, alors je vais t'aider. Le Pâte Patrouilleur des mers. Parfait, ça va être à nous. Et maintenant, je passe en mode aérien. Éteins-moi ces canons à eau. Nom d'une chambre de bois. Sid Laratis, nous venons récupérer ce qui nous appartient. Ryder, si tu savais comme je suis contente de te voir. Oh, vous faites quoi, monsieur Wingnut? C'est le Turbodisque 3000. Il s'agit d'un disque volant doté d'un moteur qui revient automatiquement vers la personne qui l'a lancé. Il devrait revenir vers moi, non? Oh, arrêtez ce Turbodisque! Que s'est-il passé? Je ferais mieux d'appeler la Pâte Patrouille. Oh, vous tombez à pic, les amis. Nous allons vous aider, monsieur Porter. Marcus? Échelle. C'était moi une, merci beaucoup. Oh mince, j'ai oublié mon seau tout en haut. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Hein? Wow! Je vais bien. Soucoupe volante droit devant. Le turbodisque a emporté Cali. Quelle est la solution? Il suffit d'appeler l'expert en disque volant de la Grande Vallée. L'expert? Le chien robot. Attrape ce disque, chien robot. Chase, maintenant. Filet. Merci d'avoir fait aussi vite, les amis. Quelqu'un a pris tous les pots du délicieux miel de Madame Yumi et a emporté sa ruche. La ruche entière? Oh, c'est trop triste, ça me donne le bourdon. La personne qui a pris le miel a aussi cassé une barrière, alors les animaux de Madame Yumi se sont échappés. Alors pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. Tu utiliseras ton matériel de vision nocturne et ton drone pour retrouver le miel et la ruche. Et aussi de Rocky. Il faudra que tu répares l'enclos pendant qu'on rassemble tous les animaux. La Pâte Patrouille part en mission. Réparons la barrière pendant que Chase rassemble les animaux. Parfait, j'ai justement quelques planches de bois. Mégaphone.
abeilles, les amis. Maintenant, partons à la recherche du miel et de la ruche. Les abeilles se sont installées dans mon repère. Les abeilles ont l'air de beaucoup aimer la fleur qui est sur le chapeau. Elles collectent du nectar. C'est grâce à ça qu'elles fabriquent le miel. Je sais qui appeler. Coucou, Ryder. Je peux t'aider? Oui, tu vas faire sortir les abeilles du repère de Monsieur Ellinger. D'accord. Prête pour un petit tour dans les airs. Les abeilles! J'ai une belle fleur pleine de nectar, rien que pour vous! Maintenant, reconduis-les chez Madame Yumi. Reçu 5 sur 5! Les abeilles filent faire du miel dans la ruche! Miam! Merci d'avoir retrouvé mon miel, ma ruche et bien sûr mes abeilles. Si vous avez besoin d'aide, faites bzzz pour nous appeler! Pas de patrouille au complet et paré à l'action, chef! Monsieur Hudson m'a dit que le train qui transportait le matériel de la fête foraine était coincé dans le tunnel. Oh, les enfants risquent d'être extrêmement déçus. C'est pour cette raison que nous devons intervenir au plus vite. Pour cette mission, j'ai donc besoin de Ruben. Ruben, mais toujours la gomme! Et de toi, Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Super! La patte patrouille part en mission. Comme je suis heureux que vous soyez venus. Oh, cet incident tombe vraiment très mal. Tout va s'arranger. Montrez-nous où vous êtes coincé. Oh, ah, je comprends mieux maintenant. Ruben, tu crois que tu pourrais élargir le tunnel? Raf, foreuse! Rocky, pourrais-tu remettre tous les éléments en place pour que le train puisse poursuivre sa route? Oui, je m'en occupe. Qu'est-ce que t'en penses, Ryder? Parfait, excellent travail. Le train va bientôt pouvoir repartir. Il me reste une dernière chose à charger. Venez voir, vous allez adorer. C'est bon, il n'y a plus de danger. Nous pouvons y aller. Restons à l'arrière pour être sûr qu'aucun objet ne bouge. Je vais finir de tout nettoyer. Monsieur Hudson, nous sommes à bord. Alors, direction la fête foraine. Est-ce que tu as vu mon reflet dans le miroir déformant? J'avais des jambes toutes petites. Oui, c'était très drôle. Le clown qui est sorti de sa boîte m'a fait sursauter. Merci, c'est gentil. Non, merci à vous. Nous n'aurions jamais eu de fête foraine sans la patte patrouille. Il n'y a pas de quoi. Et si jamais votre train est coincé, il suffit de nous appeler. Patte patrouille au complet et prête à l'action, chef. Notre mission est extrêmement urgente. Mandy et deux autres singes ont fait des bulles avec la sève d'un arbre. Et ils se sont envolés. Nous devons faire vite. Il faudra d'abord les retrouver, puis les aider. Pour cette mission, j'ai besoin de trackers. Tu devras utiliser tes dons de pisteur et tes filins d'acier et leur venir en aide. Je suis tout oui. La patte patrouille part en mission. Ryder, le vent souffle très fort. Reste avec eux, j'appelle du renfort. Rejoins-nous vite, Chase. Grâce à ton filet, les singes pourront atterrir en toute sécurité. Chase est sur le coup. Tracker, essaie d'éclater leur bulle avec tes filins. Chase rattrapera les singes avec son filet. D'accord, entendu. C'est parti. Ouf, filet. J'ai réussi. Oh zut, il est collé à mon filet. Comment allons-nous récupérer le troisième singe? Rocky, Mandy se dirige maintenant vers toi. Nous avons besoin de ton aide pour la sauver. Réparer, c'est mon domaine. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas utiliser ton souffleur pour faire une énorme bulle. Ah! Tu vas gonfler cette boule de chiclé. Comme ça, Mandy pourra atterrir tout en douceur. Encore un peu, elle doit être très grosse. Oh oh, le bec de ce toucan est vraiment pointu. Super patrouille au complet et prête pour une super opération, chef. Merci d'être...
être venue aussi vite, la super patrouille. Apparemment, les chatons de Monsieur Hellinger ont des super pouvoirs. Ils en profitent pour semer le chaos dans toute la Grande Vallée. Il va falloir faire appel à vos incroyables pouvoirs pour les arrêter. Super Chase, rattrape le chaton qui a volé le thon grâce à ton super bolide et ta vitesse supersonique. Récupère le thon et ramène-le à Monsieur Porter avec ton super filet. Super Stella, grâce à ton avion Tornade, tu vas ramener la cargaison de poissons du Capitaine Turbo. Et Super Ruben, à l'aide de ta force et de ton super treuil, tu vas remettre le bateau du Capitaine Turbo à flot. La super patrouille part en mission. Hé, petit chat, on a les boîtes de thon. Tu es peut-être aussi rapide que moi, mais tu n'as pas de super filet. J'arriverai jamais à faire bouger ce bateau, il est bien trop gros. Attendez, Capitaine Turbo, je vais le pousser jusqu'à l'eau. Merci pour le super coup de pouce, Super Ruben. Tu as repéré le poisson du Capitaine Turbo, Stella? Non, pas encore. Par contre, je viens de voir les vachettes du fermier. Elles arrivent au niveau du carrefour. Ruben, direction le carrefour. Il faut arrêter ce super chaton. Compris. Repose tes vaches immédiatement. Je vais devoir utiliser le pouvoir de mes pattes magiques alors. Ryder, ça y est, je vois les poissons du Capitaine Turbo. À moi de jouer. Je les ai eus. Bravo, ramène le seau de poisson à l'alimande. Nous on s'occupe des boîtes de thon et des vaches. Beau travail, Super Patrouille. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci pour votre rapidité. On a un double problème dans les égouts. Le réacteur de Danny X le Hardy est incontrôlable et la fusée n'arrive pas à éteindre ses rollers. La fusée? C'est qui ça? Mademoiselle Marjorie, c'était son surnom lorsqu'elle était championne de roller. Donc pour cette mission, j'ai besoin de l'agent Chase. L'agent Chase est sur le coup. J'aurai aussi besoin de Marcus. Je suis tout feu tout flamme. Parfait, la patte patrouille part en mission. Contente de te voir, Ryder. On n'a pas revu Danny et Mademoiselle Marjorie depuis qu'ils sont entrés dans ces tunnels. Chase, pars à la recherche de nos patineurs. Tout de suite, Ryder. Drone. On va trop vite! Je peux pas m'arrêter! Tiens bon! Et passe-moi mon nouveau pull! Déploiement du pull en vert! Ils sont là! Marcus, Chase, vous allez devoir aller sur la rampe pour les arrêter. Génial! C'est trop chouette! Cette aventure a été tellement extrême que je veux plus jamais revivre ça. À ton service, Danny. Si quelqu'un doit arrêter votre réacteur, il suffit de nous appeler. Chevalier au complet et paré à l'action, chef. Crow et son dragon volant se dirigent vers nous. Il faut à tout prix les empêcher d'entrer dans le château. Mais comment faire pour arrêter un dragon volant et cracheur de feu, Ryder? Vous utiliserez vos nouveaux véhicules de chevalier. Waouh, génial. Pour cette mission, j'ai besoin de Marcus. À l'aide de ta lance à eau, tu éteindras tous les incendies provoqués par le dragon. Ce chevalier du feu n'a pas froid aux yeux. Tenez-vous prêts, les chevaliers partent en mission. Et maintenant, c'est l'heure de brûler le pont-levis et d'attaquer le château. Monsieur le lanceur d'eau, arrête ça tout de suite! Hors de question! Je m'appelle Marcus, je te signale, et je suis un chevalier! Braise, envole-toi! Descends de mon dragon! Je ne sauterai pas tant que je n'aurai pas récupéré la dent! Braise, vole sur le dos!
Chase, maintenant! Filet dragon! Je vais bien! Mais... la dent de dragon magique est cassée! Marcus, c'est une bonne nouvelle! Car Cro n'a plus aucun pouvoir sur le dragon! La preuve! Braise! Attends, non! Au nom de Barkingberg, je vous remercie d'avoir sauvé notre royaume! N'oubliez pas, si un dragon devient trop dangereux, il suffit de nous appeler! Regardez! Vous avez vu ce monstre? Ben ça alors, je n'en crois pas mes yeux! Quelle est cette chose? J'ai jamais vu un animal qui ressemblait à ça! C'est le moment de déguerpir, Danny! C'est Danny X le Hardy! Voir un monstre de près, ça serait vraiment extrême! Extrêmement effrayant! Viens, suis-moi! Ah! Dépêche-toi, fichu télésiège! J'ai une petite idée! Oh. Wow. Génialissime! Est-ce que tout le monde va bien? Que s'est-il passé? Le télésiège filait à toute allure et maintenant il ne marche plus! Au moins, tout en haut, on ne risque pas de tomber sur le monstre des montagnes! Le monstre des montagnes? Il était très grand et tout vert! Il s'est dirigé vers la forêt! J'appelle la Pack Patrouille! Ruff! Échelle! Prêt, Alex? À toi de jouer! C'est parti! Doucement! Ne va... Tout va bien! Merci beaucoup, Ryder. J'espère de tout cœur que vous allez retrouver ce monstre. Everest, as-tu repéré quelque chose? Ryder, ça y est, j'ai trouvé le monstre. En fait, c'est Madame Goodway qui est couverte de boue au sapin. Elle a besoin d'aide, elle n'arrive pas à contrôler son snowboard. Tenez bon, Madame Goodway, je vais vous aider. Est-ce que ça va, Madame Goodway? Oh, tout va bien, je suis saine et sauve. Et c'est grâce à toi, Everest. Merci, la Pack Patrouille. Il n'y a pas de quoi, Madame Goodway. Si jamais vous voyez un monstre terrifiant, faites... pour nous appeler. Retrouve. Pack Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu, trois oiseaux ont été portés disparus. Donc pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Tu vas t'occuper de la recherche aérienne. Prends ton hélico pour repérer Myrna le Ménat. C'est la seule des trois qui peut voler. Prête pour un petit tour dans les airs. Parfait. La Pack Patrouille part en mission. Ryder, j'ai trouvé les oiseaux disparus. Ils sont en train de s'envoler. Hein? Les trois, t'es sûr? Parce que les poules et les autruches ne volent pas. Si, elles volent quand elles sont dans une montgolfière. Oh oh. Suivons le ballon. Stella, essaie de faire descendre la montgolfière avec ton hélico. Ne bougez pas, on vient vous aider. Wow, un animal volant en chute libre. Chase, rattrape-le avec ton filet. Filet. Excellent travail, Chase. Merci, maintenant Galinetta est toute seule dans le ballon. Travis, on va vous faire monter assez haut pour attraper la corde de la montgolfière. Marcus, prends ton camion de pompier et rejoins-nous aussi vite que possible. Je suis tout feu, tout flamme. Je suis là, Ryder. Super, déplie ton échelle. Ruff, échelle. À vous de jouer, Travis, vous savez ce que vous devez faire. Ah, j'y suis presque. Je l'ai. Rassure-toi, ma petite passagère effrayée. Je suis Travis l'explorateur et je vais faire atterrir cette montgolfière près de la tour de contrôle. Merci, Ryder, et merci à toute la Pack Patrouille. Vous avez sauvé nos chers animaux égarés. Si vos oiseaux s'envolent sans prévenir, il suffit de nous appeler. Je vous présente notre nouvelle vache. Mince! Ce n'est pas une vache laitière, mais une vache de mer. C'est comme ça que l'on surnomme les Lamantins. Nous allons l'appeler Marie.
Marie, notre nouvelle amie. C'est vrai qu'elle est mignonne, mais elle n'a pas vraiment sa place dans une ferme. Il lui faut un bassin pour pouvoir nager en toute liberté. Nous devons conduire Marie jusqu'au marais. Et il faut faire vite, le plus tôt sera le mieux. Le marais est de l'autre côté de cette montagne. Oh non! L'aquarium! Ruben, construis un barrage pour arrêter l'aquarium. Très bien, je m'en occupe. Attention! On a eu chaud. Marie est saine et sauve. Oh oh! La vitre de l'aquarium est fissurée. Alors il faut rejoindre le marais le plus vite possible. Marie, on est arrivée. Oui, et il était temps. Pouvez-vous reculer pour être le plus près possible de l'eau? J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que prévu, Ryder. Stella, viens avec ton hélico pour transporter notre lamantin. Prête pour un petit tour dans les airs! Gigoter, Ryder! Chase, il faut à tout prix protéger Marie des crocodiles. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Ouf, filet! La porte d'entrée de la serre est bloquée, ce qui veut dire que Madame Goodway, Galinetta et Monsieur Hellinger sont coincés à l'intérieur. Alors pour cette mission, j'ai besoin de Rocky. Réparer, c'est mon domaine. Et toi, Everest? Neige ou verglas, je suis toujours là. Génial, la Pat Patrouille part en mission. À toi de jouer, Everest. Supprime cet énorme tas de neige. Je suis prête pour le grand frisson. Super, bon travail. Il n'y a plus qu'à réparer la porte. Compte sur moi. Oh, il fait beaucoup trop chaud. Si vous avez chaud, alors enlevez votre manteau. Je vais mettre la climatisation. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ne baisses-tu pas la température? Attention, vous risquez de... de le casser. On a réussi. Maintenant, allons chercher les deux mères. Nom d'une poule. Qu'est-ce qui se passe, Ryder? La Pat Patrouille! Est-ce que ça va? Il fait très froid ici. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Hellinger a cassé le thermoécran. S'il fait trop froid dans la serre, les plantes ne vont pas tenir. On va réparer l'écran. Merci beaucoup, Ryder. Pendant ce temps, Galinetta et moi allons nous réchauffer dans la neige. Ah, effectivement, il est bien cassé. Est-ce que tu peux le réparer, Rocky? Oui, pas de problème. Ouf. Tournevis! Ça y est, ça fonctionne. Contrôle de température activé. Bon travail, Rocky. Les plantes devraient se réchauffer en un clin d'œil. Et je déclare officiellement cette serre... ouverte. Merci d'avoir sauvé nos plantes, la Pat Patrouille. Il n'y a pas de quoi. Si jamais votre serre se refroidit, il suffit de nous appeler. Madame Goodway? Ryder, la situation est catastrophique. Quelqu'un a dérobé la clé de la ville. Madame le maire, je vous informe qu'un vol de tarte a eu lieu. Ah, il y a eu un cambriolage à la plage. Idem au musée. Ryder, il faut retrouver les voleurs. Madame Goodway, les autres témoins et vous-même pourriez décrire leur véhicule? Ils étaient exactement comme vos véhicules. Nous allons percer ce mystère. Aucune clé n'est trop perdue, car mes amis, ils assurent. Notre mission est d'identifier et de neutraliser le suspect. Ils ont dû prendre la clé de la ville pour ouvrir et se servir de nos véhicules pour tout voler. Donc le voleur de la clé doit forcément communiquer avec ceux qui conduisent nos véhicules. Nous pouvons peut-être les écouter. Ohé, appel à tous les pirates mobiles. Rejoignez-moi à mon repère secret en dehors de la ville. C'est Sid Laratis. Ah, suis-moi, il est encore temps de s'enfuir. Tu risques de nous ralentir, désolé. J'ai toujours la clé. La prochaine fois, j'arriverai enfin à piller tous les trésors de la Grande Vallée. Zuma, arrête-les.
soir. Mais on a toujours la clé. Où est passée la clé? La Grande Vallée vous remercie tous infiniment. Il n'y a pas de quoi. Et n'oubliez pas, si un pirate essaie de vous cambrioler, il suffit de nous appeler. Pat Patrouille au complet et paré à l'action, chef. Merci d'être venu si vite, les amis. Quand le bus est arrivé ce matin, Alex avait disparu. Oh non! C'est pas normal! Ne vous en faites pas, on va le retrouver. Pour cette mission, j'ai besoin de Stella. Avec tes jumelles et ton hélicoptère, tu chercheras Alex depuis les airs. Ouf, prête pour un petit tour dans les airs! Génial! La Pat Patrouille part en mission! Stella, tu aperçois Alex de là-haut? Alex et sa mini-patrouille sont à bord de la Limande qui a l'air totalement hors de contrôle. Oh non! Le capitaine Turbo, Lapinou et Sourire sont tombés à l'eau! Je me mets en route. Zuma, rejoins-moi vite en aéroglisseur au large de l'île des phoques. Prêt à plonger dans l'action! Alex, prépare-toi à être secouru! Ouais! On est sauvés! Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir cette boîte hors de l'eau très longtemps. À moi de jouer. Merci, Zuma. Tu as sauvé les animaux et les cupcakes d'un bain de mer imminent. Bienvenue à bord, Capitaine Turbo. Merci, Ryder, mais quelqu'un doit arrêter la Limande avant qu'elle ne s'échoue sur l'île des phoques. Fonce à la barre, Zuma. D'accord. Pour le grand saut que j'ai à faire maintenant, pilotage automatique activé. C'est parti pour un petit tour en bateau. Changement de cap, on s'éloigne de l'île des phoques. Génial! Oui. Coucou grand-père, désolé de m'être éloigné sans te prévenir. Merci d'avoir secouru mes cupcakes et ma mini patrouille. Il n'y a pas de quoi, Alex. Si tu as besoin d'aide, il suffit de nous appeler. Retrouve les épisodes de la Pat Patrouille sur Nickelodeon Junior.